I command that infirmity to leave you in the name of Jesus. I command that demon and all his sickness and all his setback, all his hardship to leave you in the name of Jesus. Leave my people. Watch your screen. Observe su pantalla. Observe las personas. Watch your screen. Sustancias venenosas. See what faith can do. Watch your screen. Miren lo que la fe puede hacer. I have seen Jesus working in the spirit. J'ai vu Jésus travailler dans l'esprit. J'ai vu Jésus travailler dans l'esprit. J'ai vu la puissance de Dieu travailler dans l'esprit. J'ai vu la parole de Christ travailler dans l'esprit. J'ai vu la volonté de Dieu travaillant dans l'esprit. J'ai vu la obra de Dieu travaillant dans l'esprit. Vous pouvez voir sur vos écrans un cafard que cette femme a vomi. Regardez vos écrans, ça c'est la puissance de Dieu. Alléluia. She is a lady who, during the time of the mass prayer with Prophet TB Joshua, she vomited this large insect, which has the form of a cockroach. You can see in the midst of some vomit, which has a very vile smell. So right now, we want to hear from the lady herself. Madame, you're welcome. Can you tell us your name and where you're from? My name is Bridget Niemek. I'm coming from Cameroon. And what was the problem? Mon nom est Chantal, du Cameroun. Le problème que j'avais... C'était mes entrailles étaient bloquées. Je sentais quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Et j'avais constamment des mauvais rêves. You mean that any time that you would be pregnant, that à chaque fois je tombais enceinte, mes enfants. Yes. Mais vos enfants mouraient. So c'est comme si quelque chose mangeait le fœtus dans mon ventre. Donc, pendant la prière de masse, comment vous êtes senti? J'ai senti tout mon ventre tourner. Et après cela, j'ai vomi. J'ai commencé à vomir. Et j'ai vomi cet insecte. Je remercie Jésus-Christ. Maintenant, je suis libre. Maintenant, est-ce que vous ressentez une douleur? Non, je ne ressens plus aucune douleur. Merci Jésus-Christ de m'avoir délivré, moi et ma famille. On remercie Dieu pour sa chance et de la délivrance de cet objet qui bougeait dans son ventre. Vous voyez maintenant cet objet sous la forme d'un cafard. Ce qui s'est passé il y a quelques temps, dites à votre voisin qu'il n'y a rien à faire. Et tout cela s'est passé durant la prière de masse la semaine dernière, alors qu'il priait les téléspectateurs et la congrégation au nom de Jésus-Christ. Has gone from the womb she was feeling before, and today she is delivered and set free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, to deliver me and my family. I thank you. Nous venons de voir la vidéo de cette femme au dimanche dernier durant justement la prière de masse. J'étais en train de prier et nous avons vu comment cette femme a vomi justement ce ravin ici, la synagogue église de toutes les nations. Elle a dit que lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, elle a senti des douleurs au niveau de son dos. Elle a aussi senti des douleurs au niveau de son estomac entre le tournant. Nous sommes tous témoins de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la prière de masse. Et cette créature s'est sortie en dehors de notre sœur, alors que l'ange de Dieu était au milieu de l'auditorium la semaine dernière. Elle est là maintenant parmi nous. Cette sœur est parmi nous pour partager ce témoignage pour la gloire de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Pouvez-vous nous donner votre nom et partager votre témoignage avec nous? Bonjour à tous. My name is
Mon nom est Chantal et je viens du Cameroun. Le problème qui m'a emmené ici, c'est un problème d'attaque. Et je sentais comme un objet qui bougeait dans mon ventre. Je voyais souvent des personnes mortes dans mes rêves. Elles mangent dans les rêves. Et d'habitude, je me vois dans des zones mortes, dans des endroits morts, parlant avec des gens morts. Et dans des endroits très sales. Et j'ai aussi un mari spirituel, des rêves. J'ai des rêves où je vois également, j'ai des enfants avec ce mari spirituel. C'est beaucoup affecté. C'est pour ça que j'ai décidé de venir à la synagogue pour une solution. Donc vous aviez un objet. And all the time, I usually have moving objects with all my body, my womb. But last Sunday, during the mass prayer, la semaine dernière, pour la prière de masse, talk about the mass prayer. What happened that you decided to come to the synagogue church of all nations? Maybe you had a dream or what prompted you to come? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici d'abord à la synagogue? Dans les rêves, je vois toujours des personnes mortes. Et j'ai également un mari spirituel dans les rêves. Et un jour, j'ai habitué de regarder Emmanuel TV. Mais dans les rêves, j'ai vu l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, qui m'a dit, ma fille. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui te traitent comme cela? Et il y avait des gens autour qui ont commencé à dire, tu es sauvé, tu es sauvé. Et c'est pour ça que je suis venu ici à la synagogue de toutes les nations pour avoir une solution. Donc, encore, elle a eu un rêve où elle a vu l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua. World where she used to see herself in the dream, which is full of dead people. She asked Prophet TB Joshua, and Prophet TB Joshua actually placed her in water and was cleansed. Is that right, madame? Yes. Le prophète TB Joshua l'a placée dans de l'eau et son corps était complètement lavé. Et alors, il y avait des gens, autour de moi. Qui tapait des mains et qui disait, oh madame, vous avez une chance, vous avez une chance. Et c'est comme ça qu'il y a la synagogue de toutes les nations pour trouver une solution définitive. Qu'est-ce qu'on a en prière de masse? Je demande à Dieu. Est-ce que je vais retourner au Cameroun avec ce même problème? Je vais dire, intervient pour moi. Et dans la prière de masse, l'homme de Dieu m'a absolument pas touché durant la journée. Je n'ai eu aucun toucher de l'homme de Dieu. Mais pendant la prière de masse, j'avais une douleur dans les et j'étais en train de me tortiller. Et j'ai vomi ce cafard. Hallelujah, let's put our hands together for Jesus Christ. Applaudissons Jésus. Maintenant, notre sœur est en train d'expliquer que, alors que la prière de masse était en train de se passer, elle a senti quelque chose bouger dans son estomac. Mais rappelez-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors que vous sentez tout cela? Au moment où j'ai vomi, la douleur s'est instantanément. Maintenant, quand je vais m'endormir, je ne vois plus de rêve. Je dors comme un bébé. C'est pour ça que je suis revenu ici pour témoigner. Et applaudissons Jésus pour cela. Donc, quand vous allez vomir cet escafard, immédiatement après cela, vous avez réalisé que cet objet qui bougeait dans votre ventre s'est arrêté. Oui. Et maintenant vous dormez bien, vous n'avez plus de cauchemars, est-ce que c'est cela? Oui.
to Jesus Christ. Amen. Applaudissons Jésus pour cela. So, can you just touch your stomach? Pouvez-vous toucher votre estomac et nous montrer comment vous vous sentez là maintenant après la prière? Bien, je vais bien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien dans mon corps. Je me sens parfaitement. Ah, merci Jésus-Christ. Applaudissons Jésus. Ce cafard sur vos écrans. Ça, c'est la manifestation physique de cet esprit, de ce démon qui torturait sa vie. Elle nous expliquait comment elle avait de terribles cauchemars, comment elle était tout le temps avec des personnes mortes. Elle avait comme un mari spirituel dans cet autre monde. Mais alors qu'elle était là, la prière de masse, alors que l'esprit de Dieu était en train de se manifester à travers le prophète Tibi Joshua, cet insecte, et là, elle est là parmi nous pour donner toute la gloire à Dieu. Donc, madame, que pouvez-vous dire par rapport à cet insecte? Est-ce que vous souhaitiez voir cette chose sortir? Je ne veux plus revoir cette chose encore. Notre sœur était complètement choquée. Cette chose sortir d'elle, pour la gloire de Dieu, elle est libre. Donc, madame, pouvez-vous nous donner votre conseil, un conseil, un mot pour nos téléspectateurs? Trust God. Je veux dire à tous, croyez, faites Dieu, ayez votre foi, ayez la foi. Vous avez peut-être votre problème, peut-être pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais ne perdez pas courage car Dieu est toujours à vos côtés. Un jour, vous allez donner votre témoignage comme moi. Nous allons entendre le témoignage de cette femme qui vient du Cameroun. Nous avons vu que dimanche dernier, lors de la prière de masse, elle a vomi justement un gros de l'intérieur de son estomac. Elle a dit qu'elle était venue à la synagogue de toutes les nations à cause du problème. Elle a aussi des objets qui bougeaient partout dans son corps et spécialement au niveau de son estomac. Elle n'avait pas trouvé, de solution à ce problème. Donc elle a dit qu'elle est venue à la synagogue de la nation parce qu'elle a vu l'homme de Dieu, prophète Tibi Joshua, dans ce rêve qu'il a porté. Elle lui a dit, mais pourquoi ma soeur, qu'il l'a jeté dans le sein de la rivière, qu'elle s'est lavée et s'est purifiée dans la rivière. Les gens se disant que maintenant tu es sauvé. Et c'est ce rêve qui lui a donné de venir à la synagogue de toute nation qu'elle avait trouvé sa solution ici. Et effectivement, durant la prière de masse, elle a dit que ce rêve est sorti. Elle a dit qu'automatiquement, l'objet qui bougeait dans son corps s'est complètement arrêté. Elle n'a pas de problème d'objet qui bouge, une attaque spirituelle. Vous voyez, elle est morte dans ses rêves. Elle est complètement libre en toute la gloire. Escuchamos el maravilloso testimonio de liberación de esta mujer. Ella nos cuenta que antes de estar en el servicio en vivo el dominical, el domingo, ella tenía sueños con personas muertas. Ella nos cuenta que tenía un espíritu de esposo espiritual, que normalmente ella veía personas muertas, tenía con pesadillas, con malas cosas que constantemente veía. Nos cuenta que por causa de la maldición y de los problemas que este espíritu trajo a su vida, su esposo y sus hijos murieron. Ella nos cuenta que durante la oración de Dios el domingo pasado aquí en la sinagoga iglesia de todas las naciones, ella recibió su liberación, inmediatamente vomitó una cucaracha. Así como lo vemos en pantalla, ella nos cuenta que antes de venir a las Coan tuvo un sueño con en el que ella se encontraba sucia, pero él la bañaba, y cuando salía, las personas aplaudían diciendo que ya había recibido su salvación. Gracias a Dios, después de su liberación nos dice que ya no tiene ninguna pesadilla, que ya ha dejado de las muertas, que ahora tiene paz en su corazón.